La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue au programme La sexualité féminine. Avec vous aujourd'hui, deux psychanalystes de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid, Elena Trujillo. Bonjour Elena. Et Clémence Lenis. Donc aujourd'hui, nous vous proposons, pour commencer, se rendre compte que nous vivons dans une société très répressive. Et donc nous voulons ici avec ce programme, disons, présenter quelque chose de différent, même si on sait que pour certains ce sera assez mal vu. Mais bon, c'est un travail que nous devons faire. Nous vivons avec d'autres idées et nous considérons que nous devons les partager. Bien sûr. Donc on propose un espace donc principalement sur la femme, où on va l'associer bien sûr à beaucoup d'autres choses, puisqu'elle vit dans le monde, hein, entourée de toutes ces choses qui lui appartiennent tout autant qu'à l'homme. D'abord, on peut prendre conscience que la femme, n'est pas plus victime que l'homme dans la société. Dans la société, l'un comme l'autre sont victimes de cette société répressive qui nous empêche de développer, entre autres, notre sexualité. C'est-à-dire... Et victime aussi de notre propre constitution humaine. Et c'est un travail d'être humain. C'est un travail de devenir un être humain. Oui. C'est-à-dire devenir un être humain, ce serait se séparer un petit peu de ce que la société nous réclame autant. Donc, ce qu'on propose à la femme principalement, ou à tous les hommes, puisque nous savons que justement dans chaque homme, il y a une femme, que nous vivons bisexuelle, que chaque homme vit avec une femme qui vit en lui, on va dire, d'une certaine façon, tout comme la femme vit avec un homme en elle. Mais que dans les deux cas, le plus réprimé, c'est toujours la femme, même pour la femme. C'est pour ça que c'est elle qui doit construire sa propre liberté. La société actuelle, nous l'avons vu, nous le voyons, nous sommes au 21e siècle, et la société actuelle ne lui a pas offert grand-chose à la femme. Elle est encore... Oui. Et je voudrais dire que la liberté, ce n'est pas possible. Mais nous voudrions la liberté de travail pour notre propre vie. De faire un certain travail pour avoir notre propre vie et non pas la vie qui est préparée pour nous. Oui. Effectivement, mais ça, il faut travailler un petit peu, qu'effectivement, la liberté n'existe pas, mais nous pouvons nous libérer de certains préjugés, c'est-à-dire que la femme, sa principale difficulté, c'est qu'elle vit avec les préjugés sociaux qui existent sur la femme. C'est pour ça que nous avons apporté pour aujourd'hui, pour commencer, quelques lignes du poète et psychanalyste Miguel Oscar Menasa. Il nous dit « La poésie nous accompagne ». Le reste est éphémère, comme nos vies, comme l'haleine ardente de la nuit, comme le désir, petite parole, arôme instable. Je pense à ces paroles. Quand on cherche la lettre intensément, elle apparaît niée, comme ça arrive avec la jouissance. C'est pour cela qu'il est conseillé pour tout poète de rejeter de plano toute tranquillité, toute promesse de confort. Tout poète devrait pouvoir différencier exactement entre richesse que l'on doit chercher et tranquillité et confort qui devront toujours être rejetés. C'est pour la distance lointaine de l'amour que je suis sur ces cimes rêveuses, sans bourrasque, mirage de rien. Une angoisse ouverte à l'incertitude de l'identité sexuelle. C'est là où les États établissent leur pouvoir, en donnant au sujet, là où il n'y a rien, une identité nationale. C'est très intéressant cette phrase, parce que vraiment elle vient nous expliquer ce sentiment national qui vit pratiquement en chacun de nous, ce besoin de revendication de nos origines ou de notre lieu de naissance en général, parce qu'on peut vivre loin et pourtant on a toujours besoin de dresser le drapeau de notre lieu de naissance.
Et en fait, ce qu'il vient de dire, c'est que ce sentiment très souvent exagéré, ce sentiment national trop souvent exagéré, c'est en fait un déplacement. C'est-à-dire que c'est là où nous devrions pouvoir résoudre notre position sexuelle, comme nous n'y arrivons pas, nous, l'État, en fait, utilise pour cet espace pour présenter notre identité nationale. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'identité sexuelle, mais nous avons une identité nationale. C'est très intéressant de voir comment sont établies les choses. Et en plus, il nous indique là où nous devons travailler. C'est-à-dire pour réussir à obtenir une identité sexuelle. Parce que la véritable identité sexuelle de l'être humain, c'est laquelle, Elena ? Bisexualité. La bisexualité, effectivement. De pouvoir tolérer ce dont on parlait auparavant, de vivre avec cette femme et vivre avec cet homme qui peuvent être produits. Parce que quand on dit que cette femme, elle est réprimée, c'est-à-dire que l'homme, quand il réprime sa femme, et sa femme qui vit en lui, il réprime un tas de relations sociales qu'il pourrait établir, non pas avec des femmes, sinon bien plutôt avec des hommes. Oui. J'ai dit que des femmes ont quelques nationalités. Mm-hmm. Ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas quoi ? Que ne sirve para nada. Que ça ne sert à rien. Ça oui. Ne sert à rien. Mm-hmm. Si, si, qu'il est préférable de se positionner comme bisexuel, avoir une double sexualité qui n'est en fait ni l'une ni l'autre, parce que sinon ce sont ces toutes deux... Toutes les directions sont possibles. Exactement, tout est possible. Tout est possible, effectivement. Donc nous pouvons choisir. Je continue avec la lecture. Aujourd'hui, je les ai vus. Ce sont des personnes en captivité, par quelque chose de plus puissant que la famille, mais plus subtil. Voilà comment ils nous volent une possible liberté. Non, la liberté générale n'existe pas, mais la liberté, quand on parle de liberté d'expression, la liberté d'expression, ce serait pouvoir réellement exprimer de nouvelles idées, pas exprimer les idées, parce que la liberté d'expression, c'est dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Non, la liberté d'expression, c'est pouvoir, un petit peu cet espace que nous disposons, de pouvoir parler de choses différentes, de présenter des idées différentes. Qui sait si ce siècle-ci viendra la liberté ? D'obscurs oiseaux ont déjà dévoré de petites et blanches colombes. Le prochain été détruira tous les espoirs. Quand je suis sans espoir et que je chante encore, c'est parce que quelque chose de neuf est en train d'avoir lieu dans mon écriture. Et dans ma peau se graveront ces lettres encore sans son. Une entaille me sépare de moi, mais ce n'est pas une blessure. Un trou me trahit, mais rien ne le remplit. Et si j'écris ces vers comme des bouches affamées de liberté, et si je fais l'amour comme un têtard cruel et dolent, ce n'est pas précisément que je vienne démontrer que le temps ne se brise pas ou que je ne devrais pas mourir. Je suis cette femme, être fragile qui est le temps, et je suis dans ces pages morte, chair ouverte, furieuses émeraudes incarnées, rubis d'anxiété cloués dans la poitrine, et noir et lumière mêlées dans les yeux. Donc ici aussi, non, on voit comment le poète se positionne, où l'écrivain va se positionner. Il y a beaucoup d'écrivains justement qui arrivaient à prendre à écrire comme une femme. Non, là le poète, il mm-hmm. le dit, je suis cette femme fragile qui est le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il se positionne qu'il se positionne comme une femme pour pouvoir laisser passer l'écriture. C'est pour ça que la vie d'un écrivain n'a strictement rien à voir avec son écriture. On va le voir d'ailleurs, on a un poème qu'on va lire un peu plus loin qui s'appelle Art poétique. Et qui nous parle justement de ce processus d'écriture. Mais il y a un aphorisme de Ménassa qui résume un petit peu cette idée un peu sociale qu'on a apportée aujourd'hui, associée à la poésie, non ? Qui dit « Si nous ne sommes pas seuls, si nous ne sommes pas uniques, alors chaque triomphe de la poésie sera un triomphe de tous les hommes, et chaque défaite de la poésie sera une défaite de toute l'humanité. »
Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si nous étions capables, quand on dit « si nous pouvons être plus, nous pouvons être meilleurs », c'est aussi dans cette idée, c'est-à-dire si nous pouvions réussir à nous réunir autour de la poésie, qui est le meilleur instrument d'humanisation, et ne pas être aussi individualiste et ne pas vouloir, non, si narcissique, à toujours vouloir pouvoir faire les choses tout seul, par exemple, non, c'est cette tendance très importante qu'il y a en chacun de nous. Non, non, c'est un peu infantile, non, on a vu les enfants qui avaient ces attitudes un peu là. Non, non, c'est moi qui le fais, maman. Non, non, je le fais tout seul. Non, non, je le fais tout seul. Et qui ne supportent pas d'être aidés. Non, c'est une situation infantile, alors que nous savons qu'un homme, une femme seule... Nous recommandons qu'il ou elle va au psychanalyste. Nous recommandons la psychanalyse. Aujourd'hui, Menassa me disait, non, c'est facile de rendre les gens heureux. Et en plus, c'est pas cher du tout. Un peu de générosité. Et là, je me disais, non, se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui sont là, que je ne connais pas, il y en a certains avec qui je parle, il y en a même avec eux que j'aime, mais que tous ces gens qui sont autour de moi, avec qui j'ai une relation lointaine ou proche, être capable de donner une conversation, simplement, on se croise dans l'ascenseur et on se dit quelques phrases, pour montrer, je sais que tu es un être humain, et moi aussi je suis un être humain. Donc simplement, on se parle. C'est très important. C'est très important, exactement. La possibilité de tout écouter à notre main, et change la vie. Claro, ça nous humanise. Ça oui. Nous humanise. Être capable de parler avec la caissière du supermarché, être capable de parler avec une petite phrase, se rendre compte que l'autre... pas raconter ma vie, parler à l'autre qui est devant moi, lui dire quelque chose en voyant ce qu'il fait, en voyant faire un commentaire, non, que c'est très important. Bon, mais que face à ça, rappelons-nous que la meilleure arme, c'est la poésie. Utilisons-la. Et aussi la psychanalyse. Et aussi la psychanalyse. Alors, je vais vous lire « Art poétique ». Poésie, je le sais, tandis que je t'écris, je cesse de vivre. Je livre docilement mes illusions, mes pauvres péchés prolétaires, mes vices bourgeois. Et encore, avant de pénétrer ton corps, velours amoureux, j'abandonne ma façon de vivre. Misère, folie, profonde passion noire, une manière d'être. Vide de mes choses, porte-drapeau du néant, transparent de tant de solitude, invisible et ouvert, perméable au mystère de sa voix, j'essaie, très sonore sur la peau du monde, la peau de la mort, la peau de toutes les choses. Poésie, sur ta peau, très sonore, esquille passionnée, ineffaçable, écharde de mon nom. Bon, je vous rappelle que tous les textes qui sont lus ici en français de Miguel Oscar Menassa sont traduits par Claire Deloupi. Et notre super traductrice. Donc c'est intéressant ce poème, non, comment il va marquer cette différence entre justement celui qui se laisse prendre par l'écriture, qui se laisse écrire tout ce qui le construit de sa vie tous les jours disparaît. C'est pour ça, non, qu'on ne peut pas comparer la vie d'un auteur avec ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que son écriture est bien plus grande que lui. Notre écriture, c'est bien pour ça que des fois aussi il y a des difficultés, non, pour publier ce qu'on a écrit, parce que c'est plus grand que nous. Bon, et en version espagnole, Elena, arte poética. Poesía, lo sé. Mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún... antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras, hondas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz,
intento, rasgo sonoro sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía, sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. Es très joli aussi l'espagnol, hein? Muy bien, así de poder escuchar las dos versiones. Bon, et pour terminer, parce que le temps est terminé, et je vous rappelle, je ne commence pas à me psychanalyser pour guérir des blessures du passé, mais pour mieux vivre les années à venir. Vous pouvez nous contacter par email à lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, ou par téléphone au 0034 626 89 02 34 0034 626 89 02 34. À la prochaine semaine, à la semaine prochaine. Allez, au revoir à tous. Ciao, ciao. Au revoir. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más, y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.